Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pas du tout, c'est pas vrai. Souvenez-vous, il y a un mois j'ai fait un énorme unboxing. Si tu l'as pas vu, elle est encore sur ma chaîne. Et si tu l'as pas vu non plus, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur le casque que j'avais reçu de cet unboxing. Et du coup je vous en ai parlé, je vous ai dit les points forts, les points faibles, etc. Et donc là on va faire un autre objet que j'ai eu dans cet unboxing. Donc suite à cet unboxing, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit récapitulatif. J'ai réussi, yes. De tous les objets en gros que j'ai reçus, donc vous dire si c'est bien après quelques temps d'utilisation et tout ça. Et aujourd'hui c'est au tour de la magnifique souris qui elle par contre est vraiment très bien. Je vais essayer de vous en parler en détail, vous donner les points forts, les points faibles, même si j'en ai pas beaucoup à vous dire, et de vous montrer exactement à quoi elle ressemble pour si vous voulez l'acheter, vous la voyez dans tous ses angles. C'est parti. Déjà faut savoir que c'est une souris sans fil qui se branche via un petit port USB que tu mets dans ton PC et bam, ça marche. Ça c'est plutôt bien parce que du coup t'as pas le fil qui traîne un peu partout, ça fait super propre. Et là ça y est, vous allez plus me voir, je vais vous montrer la souris. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, les boutons qu'il y a et tout ça, et ce que je préfère dessus. C'est parti. Donc voilà, déjà la souris, elle est rétro éclairée en rouge. Moi je la trouve vraiment très très belle. Elle a des formes plutôt agréables pour la main. Là ça c'est un petit peu creux, et là c'est creux aussi, donc c'est plutôt agréable. C'est pas chiant d'avoir dans la main, etc. En dessous, bah, c'est normal, hein, c'est un laser, il y a quelques petits trucs. La pile, elle se met juste ici, et c'est une seule pile de taille moyenne. La marque, elle est marquée juste ici, mais perso, je la connais pas. Et bah, c'est la première fois que j'achète une souris de cette marque, et je suis satisfait. Hein. Au niveau des boutons, on a deux boutons ici sur le côté qui me servent personnellement quand je joue à Fortnite sur PS4. Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais j'essaye de m'habituer. Alors, moi, j'ai mis le bouton mur et le bouton escalier pour mes constructions, et c'est plutôt rapide. C'est plutôt très utile. Ensuite, il y a deux autres boutons situés juste là, donc lui et lui. Et en fait, c'est juste pour la sensibilité, on peut pas les mettre... Enfin, on peut les mettre pour autre chose, mais moi, je les laisse pour la sensibilité. Ensuite, il y a la molette qui fait vraiment aucun bruit et qui peut aussi servir de bouton. Après, comme d'habitude, il y a les boutons droite et gauche qui font vraiment aucun bruit. Écoutez. C'est vraiment le meilleur truc pour moi qu'il y a sur... sur cette souris, c'est qu'elle fait vraiment aucun bruit, c'est juste parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser à combien je l'ai acheté. Donc je l'ai payé 9,80€, un truc comme ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien de la souris dans la description pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà, je vous ai fait le tour un peu de la souris. J'espère que vous avez eu les images que vous souhaitiez voir. Personnellement, je vous la recommande à 100% parce que j'ai joué et fait des montages avec cette souris et j'ai jamais eu aucun souci, mais vraiment aucun. En un mois, c'était toujours la même sensation. Le même kiff d'appuyer sur un bouton qui fait pas de bruit, le même kiff d'appuyer sur des boutons sur la droite pour construire ou bien supprimer des rushs. Moi, par exemple, pour faire les montages, j'ai associé ces deux boutons à cut et supprimer. Ça veut dire que au lieu d'aller sur les ciseaux, couper, clic droit, supprimer, j'ai juste à faire et c'est tout. Donc franchement, je trouve ça vraiment utile d'avoir une souris avec plusieurs boutons, surtout qu'elle est vraiment pas chère. Elle est moins chère qu'une souris basique à trouver en magasin genre Carrefour. Elle est beaucoup moins chère et moi franchement je kiffe, donc je vous la recommande de ouf. Pour trouver un point négatif, fallait bien que je vous en trouve un. Donc pour moi, ça sera juste que là sur le dessus de la souris, donc là les deux boutons, étant donné qu'il y a beaucoup mes doigts dessus, et bah il y a des traces, vu que c'est du noir mat, il y a des traces dessus. Perso, ça me gêne pas du tout parce qu'ils sont pas vraiment visibles. C'est vraiment la souris à avoir. Si t'as pas un gros budget, c'est the souris à avoir. Après, je sais qu'il y a d'autres souris sur Amazon qui peuvent être bien aussi. D'ailleurs, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à lâcher un gros pouce bleu pour que je fasse une autre vidéo d'une autre souris sur Amazon dans le même type. En gros, j'achèterai une souris à peu près dans le même budget, mais un autre modèle tout simplement d'une autre marque,
Et je vous en ferai une vidéo aussi pour vous dire les points forts, les points faibles après un mois d'utilisation, etc. Je peux vous le faire. Pour ça, il faut vraiment lâcher un gros like, s'abonner et commenter. Si je vois vraiment que ça vous plaît et que vous êtes vraiment chaud patate pour que je fasse cette vidéo, et ben y a pas de souci, je commanderai une autre souris sur Amazon et je vous en ferai une vidéo. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai pas les combats. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile si vous cherchez une nouvelle souris avec un petit budget, etc. Ben c'est la souris qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Moi, je retourne à mes occupations.